Chaud, on va en profiter, on va essayer de sortir un petit peu. Bill, tu vas bien? Oui, mon ami Vincent, je vais très très bien, merci. Tu as pris des couleurs, tu es beau, tu es rayonnant, tu es en pleine forme. Oh, je ne suis rien à côté de toi, point oui, de vue bonté. Eh ben moi, je suis pas grand-chose à côté d'elle. Hein. Et les filles, vous avez fait très fort, là. Ouf. D'ailleurs, le silence est d'or. Hein. Mecs, ils sont en train de se dire, là, le métier difficile qu'il a. Restez sérieux. Allez, 5 deals, un big deal, un coup de téléphone, 5000 francs. On ne perd pas de temps, on accueille Philippe et Thierry. Merci, mesdemoiselles. Philippe, Thierry. Thierry, salut Thierry. Salut. Bonjour. Philippe. Bill, Thierry, Bill. Bonjour Philippe. Bill. Bonjour Thierry. Bonsoir, bonjour Bill. Public. Bonsoir le public. Vous ne vous connaissez pas du tout. Du tout. Vous avez fait connaissance dans les coulisses. Oui. Et on vous a dit à quel moment vous alliez jouer ensemble? Dès le début, je crois. Dès le début, au début, oui. Vous le savez, vous étiez opposés. Voilà. Bon, on va vous faire faire un petit tour de moto. Mais très calme. Très calme. Hein, vous allez voir. Ouais. Ouais. Vous êtes dans quel... Vous faites quoi dans la vie? Je suis commercial. En quoi? Dans la clôture. Vous vendez de la clôture? Oui. Électrifiant. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis logisticien. D'accord. Donc, je m'occupe de transport de véhicules. D'accord. Vous savez que l'un de vous deux est venu pour rien. Ça les fait beaucoup moins rire, ça. Hein. Là, si tu veux, ils ont un sourire genre on leur a pas enlevé les fils, tu vois. Non, c'est vrai, il y en a un de vous deux qui est venu pour rien. Par contre, il y en a un qui est venu et il a bien fait. Hein. Ça les fait plus rire du tout. Allez, venez ici et nous allons accueillir avec un tonnerre d'applaudissements un travail exceptionnel de la part de notre ferronnier Jean-Jean. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les motos du Big Deal. Vous avez des bracelets de couleur, non? Il n'y a pas de bracelets de couleur. Ok, alors venez ici. Venez ici. Bleu, rouge, n'importe. Vous avez une couleur préférée, non? Bleu. Bon, eh bien, prenez la moto avec le bras bleu. Vous prenez le bike avec le bracelet rouge. Alors, le but du jeu, il est très simple. Vous savez, il y a une solidarité en moto, c'est vrai. Quand on voit quelqu'un arrêter au bord de la route, on fait un petit coup de klaxon et on lui fait ça. Et si le mec répond ça, on ne s'arrête pas. Hein? Donc, le but du jeu, c'est de monter le pouce tout en haut pour dire que tout va bien. Le premier qui va arriver en haut fera en sorte que le briquet s'ouvre et s'allume. C'est très grand. Là, la traction est très simple. C'est un vélo de gymnastique. Asseyez-vous sur la selle. Voilà. Posez les pieds sur les pédales. Poussez sur les pieds en tirant sur le guidon. Voilà. OK, stop, on s'arrête. On s'arrête, on redescend, on s'assoit. Et donc, ça fait monter le bracelet. Donc, faut y aller. Hein. OK. Bill, le bon gagnant va remporter quoi? Alors justement, Vincent, c'est de toi que tout va dépendre. C'est un jeu très difficile, très dur physiquement. Oui, 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 vraiment. Là, il y en a un des deux qui va ressortir minable. D'accord. Alors je pense que 8000 francs est une belle francs. Somme. Celui qui monte le pouce en premier remporte 8000 francs. OK. 3, 2, 1, top. C'est parti. Allez. Voilà. Doucement, faites les mouvements en grand. Les mouvements en grand. Voilà. Allons-y. Et... ça tient, jusque-là le jeu tient. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, Jean-Jean, tu peux rester dans l'équipe. Il y a tout un système de tréglerie qui fait que le pouce monte. Oui, ça s'enroule, ça tient. Il est fou, Jean-Jean, d'un malade. Qui va le monter en premier? Il y a de la fumée qui va se dégager et la fumée sera de la couleur du bracelet vainqueur. Si c'est le bleu, une fumée bleue. Si c'est rouge, premier bleu par la suite. Oh, eh, bravo, hein. Bravo. Bravo. Bon. Bon, ben Thierry, Thierry, je suis désolé, hein. C'est le jeu, hein. Vous vous êtes vachement bien battu. Vous êtes ruiné, là. Hein. Vous pouvez le dire, c'est physique, hein. Ouais. Ouais. C'est très physique. Ouais. C'est pas fini, c'est que l'échauffement, hein. On va... Ah bon.
Thierry, c'est ainsi que les chemins se séparent. Vous allez repasser par le tunnel. C'est malheureux, c'est injuste, mais telle est la décision de Bill. Merci de vous être... Vous nous arrivez d'où? De Vire. C'est où? À côté, dans le Calvados. Ah ouais, vous n'êtes pas arrivé en plus. Hein. Ben, je suis désolé, salut à vous, bonne soirée. Merci, merci d'être venu nous voir. Bon. Et... Il a chaud, mon pépère. Hein? Bah, alors. Un peu, ouais. On a gagné 8000 francs. Ouais. On a gagné le plaisir de s'être rencontrés. Ouais. Et maintenant, on a gagné la possibilité de choisir entre ces 8000 francs ou le fameux rideau. Le public dit le rideau. Non, laisse, Bill, c'est une flamme virtuelle, tu n'y arriveras pas. Oh bon? David. Et voilà. Oh, alors, je vais garder. Vous gardez vos 8000 francs? Je garde, ouais. On fait comme ça? Je garde. Sûr? Ouais, il y a peut-être une très belle moto, hein? Peut-être, mais bon, je garde. 8000? Ouais, ouais. Pas de rideau? Pas de rideau. Rideau! C'est dommage, vous avez perdu une superbe moto électrique qui a une valeur de 1790 francs. Et moi, j'ai réussi à éteindre la flamme. C'est bête, hein? C'est bête, hein? Il y avait une moto, je vous l'avais dit. Ouais. Allez! Reprenez votre souffle, passez par l'escalier, on se retrouve pour le Big Deal. Merci de votre visite. Bill! Ah ben ça y est, t'as éteint la flamme. Oui, oui, j'y suis arrivé. Un petit mot sur le Minitel? D'accord, un petit mot. Minitel, parce que c'est fort. Oui, chers amis téléspectateurs du monde mondial des terriens, vous pouvez essayer de gagner une voiture. Il vous suffit de composer immédiatement sur votre Minitel le 3615 code TF1 ou alors, vous n'hésitez pas, vous prenez un téléphone et vous faites le 08 36 66 90 03. Voilà Vincent. Merci Bill et on accueille Sylvie pour le top 3. Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous allez bien? Ça va bien. Vous êtes charmante. Merci. Bill, Sylvie, Bill. Bonjour Bill, bonjour le public. C'est marrant, mais il y a vraiment un sixième sens qui permet de dire, tiens, ben là voilà, elle est... Elle est là. Elle est sympa. Non, mais en plus, vous êtes nature. Ouais. Vous faites quoi dans la vie? En ce moment, j'ai fait une formation d'hôtesse. Vous êtes fiancée? Oui. Ah bon. Il est où? Il est là? Oui, il est... Il est où? Qu'il se nomme? Il est là-bas. Ah, le bel homme. Le avec bel homme. Denis, le chef cuisinier à côté. D'accord. Voilà. Chez qui vous allez bouffer à midi? Voilà, d'accord. Exactement. Des enfants? Oui, on a une petite fille, Margot. Ah, bonne. Margot, quel âge a la mère? 17 mois. Ah ben oui, donc on ne l'a pas amenée. Non. Vous connaissez Ramucho? Oui. Vous avez envie de nous chanter quelque chose avant sa venue? Oui. Vous n'êtes pas obligé du tout, hein, Sylvie? Oui, mais oui. D'accord. Vous allez nous chanter quoi? Belle, belle, belle de Claude François. Oui, d'ailleurs, elles sont toutes. À commencer par vous. Ah, merci. Alors, un jour mon père m'a dit, fiston, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Tu sais les filles, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Oui. Elles te rendront fou entier. De joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belles, 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 de jour en jour. Bonjour. Voilà! À la bonne heure, on s'en sort bien. Venez avec moi, vous êtes charmante. Merci. Allez, vous êtes sportive, faites un sport, une passe. Je fais beaucoup d'athlétisme. Ah ouais, eh ben ça se voit. Merci. Non, parce que c'est vrai, hein, quand on sait que vous avez 52 ans, on se dit, elle est quand même. Elle est bien, hein. Pour 52 ans, elle est bien. Bon, regardez, moi j'ai 19 ans, je fais fatigué, hein. En voilà un autre qui n'a pas l'âge de César Franck, mais de César Terre. Voici Ramucho. Bonjour, ça va Sylvie? Ça va bien. Oui, très très bien. Ça va Vincent? Oui, les filles. Oui. Bonjour les filles, ça va? Oui. Ouh là 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 là. salut Bibille, tu vas bien? Et toi Rara, tu vas bien? Oui, bon. Ça va très bien. Qu'allez-vous juger aujourd'hui avec cette balance? Eh bien, parce que je vais parler de tard. Hein. Je ne vais pas parler de toi, hein, Bill. Non, je vais parler de tard qu'on met sur la balance pour faire le poids du contenant, pour peser que le contenu. Hein. Ça suit? D'accord. Alors, il y a d'abord la tare classique. Hein. C'est celle de ma tante. Hein. C'est la taratata. Hein. D'accord. Alors, ça, c'est du réglisse. Hein. Alors, c'est pratique parce qu'on peut s'en servir comme ça a un poids.
on parle de Tarzan à ce moment-là. Hein. C'est très utile pour peser dans la jungle. Hein. Alors on peut peser, par exemple, pour des instruments de musique, on peut mettre plusieurs tards, on peut aller jusqu'à 6 tards, hein, des fois. Et ça, par exemple, c'est la tartare, hein, pour peser de la viande crue, par exemple. Hein. Et puis, on peut mettre ça, par exemple, ça peut faire guise de tartare. C'est du thé pour peser les grenouilles, hein, du thé tard, oui, forcément. Hein. Et puis, bien sûr, Vincent. On peut mettre une matière, c'est du tulle, hein, mais c'est une tarentule pour peser des araignées, oui, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Et je pèse alors, mes mots, je bien, demande bien, à bien, vous bien, Ramoucho, qu'allez-vous nous jouer, du tulle? Non, il va jouer du violin, du violon. Et Dieu sait si j'en joue mal. Oui, et voilà, très bien. Je vous propose de découvrir ce qu'il va massacrer au violon. Allez. Ouais. Et quand on pense qu'il a fait des progrès... Mais c'est facile, ça. Le public ne souffle pas. C'est terminé. Comme un oiseau est terminé. Oh oui, mais ça a été dit juste après le gong, malheureusement. Je ne peux pas donc l'accepter. Et non, Vincent. Le gong sonne, la réponse a été donnée après. Qui pense que Bill a raison? Qui pense qu'il a tort? Vincent, oui, viens voir. Je suis très très embêté, alors tu lui dis pas, mais je lui accorde, tu fais croire que c'est toi, d'accord? D'accord. Merci, Bill. Je me suis beaucoup arrangé, je me suis beaucoup battu et finalement on a eu gain de cause. Hein. Oh, j'ai fait une plaidoirie extraordinaire. Je me suis pris le crin dans le. Choisissez un cadeau. Sylvie, c'est gagné. Rosa, chérie, tu les as sortis à ta robe, tu es. Merveilleux. Et ça commence très fort, puisque vous gagnez la boîte à clés. Mais qu'y a-t-il dans la boîte à clés? Une clé. Mystère et boule de Bill. Une clé. On en fait un deuxième? Oui. Du violon. Quel est le morceau que vous avez tenté d'interpréter à l'aide de ce violon? Ma bohème. Oh non. Super. Oh si, c'était facile à reconnaître, Vincent. C'était bien. Qui l'avait découvert? Ah, il y a deux personnes quand même qui avaient trouvé. Deux personnes avaient trouvé, donc vous auriez dû trouver. Oui. C'est donc perdu. Voilà. On s'en fiche, on a la boîte à clés. Ouais. J'élimine. Qui vous éliminé? Jaune. Le jaune, ouais. Allez, on élimine. En plus, ça tombe bien, elle a un rendez-vous, elle va pouvoir partir plus tôt. Et on élimine. Tout à fait, c'est des gaufres au chocolat. Je crois que tu es fort, 63 ouais. francs. Allez, si vous pouviez faire un tout petit effort. Je suis déjà stressé. Mais oui, non mais. J'accepte deux titres. Oh là là. Alléluia. Ah, c'est perdu. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Alléluia. Allez. C'est un négro spirituel, surtout qui s'appelle Condant. Je l'élimine orange. Oh, on élimine Jimmy, c'est dommage. C'est toujours une erreur d'éliminer Jimmy. Oui. Mais enfin bon. Hein. Il faut bien éliminer. Eh oui. Et voilà, en éliminant Jimmy, et vous perdez cette magnifique télévision 16e d'une valeur de 4 990 francs avec un petit système d'enceinte pour faire le cinéma à la maison. Ah oui. Voilà. Vas-y, fais-le avec tes petites mains.
petite poupoule, voilà. Bon, on a gagné la boîte à clés. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, alors maintenant, dans une boîte à clés, il y a une clé de voiture, une clé des champs qui permet un voyage, une clé de 12. Ou rien du tout si vous décidez de prendre le rideau. Ah là, votre époux, il est... Oui, on ne sait pas. Le rideau ? Le rideau ! Il a beaucoup d'humour, votre mari, c'est un farceur, car grâce à lui, vous gagnez un lot de farces et attrapes d'une valeur de 315 francs. On peut le féliciter, il avait l'air si sûr de lui. Dans la boîte à clé, le mieux, c'est qu'on ne sache jamais ce qu'il y avait, hein. Voilà. Bon, si tu veux, pour toi, non. Si tu veux. Non, non. Moi, j'ai pas envie non plus. Non, non. Non, ça va lui faire mal. Non, et vous n'êtes pas comme ça. Vous avez bon fond et vous ne voulez pas de cette cruauté. Non. Vous dites oui, mais au fond, vous pensez non. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Sylvie, passez par l'escalier. Merci de votre visite. En bon Sylvie. Faut qu'on se parle. Oui, restez là, faut qu'on se parle. Allez, filez dans votre chambre. Salut les filles. Patrick t'appelait pour partir en voyage. Patrick. Ça va, Patrick ? Bonsoir, Vincent. Bill, Patrick, Patrick, Bill. Bonsoir, Bill. Enchanté, Patrick. La potate. Tout de suite, aimez-vous les voyages ? Énormément. C'est vrai ? Vous avez quelqu'un pour partir avec en voyage ? Ouais. Ouais. Une fiancée, une épouse ? Une amie. Une amie ? Fiancée. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas officiel, mais... Copain, copine, quand on peut. On est tous passés par là, ouais. Sauf toi, je vois pas de quoi tu rigoles, tu sais pas ce que c'est. Vous exercez une profession ? Oui. Qui est ? Je suis inspecteur dans une compagnie d'assurance. Oui, moi aussi, je peux éprouver de l'amour. Moi aussi, je peux avoir des fiancés. C'est pas parce que je suis différent que je dois pas vous ressembler. Ben tu vois, quelque part, on est quand même content que tu nous ressembles pas. Oh, ben, c'est encore de pire en pire. On va vous amener un vestiaire. Dans les poches, il y a des indices qui vont vous permettre de partir en voyage. Un voyage qui coûte quand même la coquette somme de... Ah, voilà, là, t'as besoin de moi maintenant, hein. Là, tu vois comment tu es. Alors, tu pourrais le dire que je suis beau, que je peux avoir des fiancés aussi. Et moi... voyage qui coûte, d'après le somptueux Bill, l'homme désiré de toutes les femmes. Merci, ça c'est sympa, j'y crois pas, mais bon, 29 100 francs. 29 100 francs, trois patates. Allez, faites entrer le dressing du Big Deal. Ouais, les filles. Bien. Vous avez 1 minute 30, c'est ça, Bill ? Tout à fait, 2 minutes. 2 minutes, que tu es beau, Bill, que tu es bon. Vous avez 2 minutes pour fouiller le plus rapidement possible tous les fringues. C'est des papiers, c'est... Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un objet, un disque, une enclume, un cochon. Un petit cochon, hein, parce que, ou un cochon d'Inde, hein, mais... Donc, il y a 2 minutes pour trouver un maximum d'indices et grâce à ces indices, découvrir la destination qui vous est offerte. Okay, ok. On est parti. 2 minutes. Top chrono, c'est parti. Allez, on fouille, on cherche rapidement. Oui, ça tombe, c'est pas grave. Hein. Voilà, on peut en prendre plusieurs à la fois. Hein. Allez. Tandis que moi, j'ai les indices ici et je vais en faire profiter les téléspectateurs. Voilà, il y a tout ceci à trouver. Vous voyez, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ou 10. Hein. Et la réponse, c'est ça. Il va gagner un voyage là. C'est pas sûr. Et ça va très très vite, on a déjà une paire de maracas. Une paire de maracas et nous avons un sachet de café. Oh, t'as le rythme dans le sang, Vincent. Et un laser disque. Allez, Bill, combien de temps? Il reste 1 minute et 11 secondes. 1 minute et 11 secondes. Vous l'avez pas fait. Attention Vincent, 1 minute maintenant, 1 minute. Nous avons une chaussure de foot. Nous avons une paire de maracas. Nous avons un disque de bossa nova. Et nous avons le sachet de café.
Est-ce qu'avec ça, vous êtes capable de donner une destination ou vous voulez utiliser la deuxième minute? Non, je crois que c'est bon. À votre avis, c'est quoi? Au hasard, le Brésil. Vous jouez pour le Brésil. Donc, on dirait que c'est un voyage au Brésil de trois patates. Hein? Voilà. Bon, cela dit, il vous reste encore une minute. Hein, ouais, bah que vous pouvez utiliser, vous allez reprendre votre souffle. Et soit vous jouez pour ce voyage, soit vous laissez tomber, on ne prend pas la deuxième minute, on laisse tomber et on pense qu'il y a derrière le rideau. Trois patates, le rideau, trois patates. Prendre le café avec la chaussure. Là. Ouais, sur la plage où il y a la fille, en jouant des maracas. Ouais. Vous pouvez enlever la chaussure, elle sent mauvais. Oui, bah c'est la tienne, je te signale. Hein. Oh, bon. Le Brésil. On joue pour le Brésil, on regarde ce qu'il y avait derrière le rideau. Quel dommage, car vous avez perdu ce magnifique panier à salade. Quel est le rapport? Je sais pas, mais il y en a un. C'est vicieux. 50 francs. C'est vicieux parce qu'on s'est dit, avec un beau voyage à trois patates, le candidat va pas oser le lâcher, donc c'est peut-être le moment de mettre une voiture. Et là, tu mets un panier à salade, je dis, bien joué. Tu vois, comme je suis fort. Il vous reste encore une minute, pour l'instant, vous dites le Brésil. Est-ce qu'on utilise cette deuxième minute ou on reste sur le Brésil? On n'utilise pas la deuxième minute. On joue pour l'équipe de football du Brésil, qui en a quand même pris trois dans le cornet, il faut le dire. La paire de maracas pour la samba et la bossa nova brésilienne. Le disque de bossa nova, Imagina Futropica. Moi, je le fais pas bien, mais ça... Imagina... Et le sac de café, café du Brésil. On joue pour le Brésil. Ouais. Bill, on dit le Brésil. Eh bien, cher ami Vincent, j'aurais préféré entendre l'Argentine. Mais non, je rigole. Bien sûr que c'est la bonne réponse. C'est gagné. Regardez les images de ce voyage. Eh oui, vous allez donc partir pendant 10 jours dans un des plus beaux pays du monde, le Brésil, où vous allez découvrir Salvador de Bahia, Iguaçu, Manaus, l'Amazonie, Rio de Janeiro. Vous verrez, oh tiens, Rosa et sa sœur, vous verrez tout le monde là-bas, c'est fantastique. Et je vous le rappelle, ce séjour vaut 29 000 francs. Il y avait dans les autres accessoires un masque de carnaval. Il y avait un sac de sucre pour le pain de sucre, une photo de Jean-Paul Belmondo, l'homme de Rio, les maracas vous les trouvez, le CD vous les trouvez, la chaussure de foot vous les trouvez, le maillot de bain brésilien. Et il est là, le maillot de bain brésilien. T'as perdu quelque chose. Oh, écoute, le dis pas tout le monde. Je vais pas le passer tout de suite. Hein. D'accord. Vas-y. Alors, vous avez également un sac de sable et un sac de café en grain. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le voyage ou maintenant on le rejoue contre le rideau? Oh, je garde. Sûr? C'est peut-être maintenant qu'ils ont mis la bagnole. Non, je garde. Moi, je serais vous, je prendrais le rideau. Non, c'est pas grave. Gardez votre voyage? Ouais. Vous avez quelqu'un avec qui partir? Ouais. Rideau! C'est dommage, car vous la perdez! La voiture! Une voiture fantastique! D'une valeur de 58 700 francs! Alors, vous voulez partir au Brésil? Allez-y! Mais moi, je garde la voiture! Adieu la voiture, Patrick! On se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal, passé par l'escalier, Patrick. Merci de votre visite! Je vous propose tout de suite d'accueillir Linda pour le jeu de Bill. Linda! Là, c'est bien le jeu de Bill, tout seul. Je crois qu'on ne te voit pas piquer les trucs, là! Hein? Ça va, Linda? Ça va bien, merci. Bill, Linda, Bill. Bonjour, Linda, Bill. Je suis enchanté, charmé, séduit. Poigne. Ouais. Ça va, stressé, non pas trop? Ça va mieux. Un peu le trac? Un petit peu, ouais. Tout à l'heure, quand je suis juste venu vous dire bonjour dans les coulisses... Ouais, un peu, ouais. Je vous ai posé la question, ça va, vous n'avez pas le trac? Et tous, ils répondent non. Faites quoi dans la vie, Linda? Je suis documentaliste dans une grosse société pétrolière. D'accord. Donc, vous recherchez du pétrole? Non, pas moi. D'accord. Mais vous faites en sorte qu'on en trouve. Tout à fait. Vous êtes marié? Non. Là, vous n'avez pas eu le temps, évidemment. Vous avez quand même un tracteur? Oui, tout à fait. Il est là, votre corse d'âle? Non, j'ai mon parrain et sa femme qui sont là-bas. D'accord. Soyez les bienvenus, vous deux. Merci d'être avec nous. Vous nous arrivez d'où? Franconville, dans le Val d'Oise. Très bien, c'est pas loin. Non, c'est à côté, ça va. Ok. Je vous propose le jeu de Bill. D'accord. Vous connaissez le principe? Oui. Mettez le cax sur vos oreilles. Ouais, impeccable, du premier coup. Ça vous gêne pas les touffes, là, sur. Ça va, là. D'accord. Hein, moi, je rêve d'être gêné par les cheveux, mais... Oui, non, pas un mot. J'envoie deux, trois, là, il ferait mieux de faire poupougne, hein. Oui. Par exemple, il y a le monsieur barbu, là, vous voyez, lui, il a rien dit et il a bien fait, hein, parce que... sa femme, il a fait une blague et il a mis le shampoing à côté du désherbant, il s'est gouré, lui, tu vois, et... Bill, qu'est-ce qu'il faut découvrir aujourd'hui? Des cheveux au vent. Oh, pardon, non, pas du tout. Nous cherchons un objet aujourd'hui, mon ami Vincent. On cherche un objet.
Oui. Okay, 10 000 francs avec le premier indice. D'accord. Et après, vous jouez avec votre pognon. C'est parti. Viens. Oh, paparazzi. Pour un photographe, je suis un critère de qualité. Allez, bouge ton corps. On cherche un zoom. Un zoom. Un zoom. Non. Zoom, 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 ah ben, zoom, zoom. On cherche un lieu, c'est ça? Un objet. D'accord. Allez. Oh. Un objet qui est synonyme de qualité en photo. Oh, ben d'accord, ça va mieux là. Hein. Alors, les marins me redoutent. Ben oui, touchez-moi le pompon. Bon bonheur. Tempête. Si, quand on est très content. Tempête de joie. Non, je vois oui, pas du merci tout, là. De ce commentaire. Non. Troisième indice. On cherche un objet qui est synonyme de qualité au niveau de la photo. Et là, on a su que. Que les marins le redoutaient. Oui. Fort bien. Tout à fait. Troisième indice. C'est parti, viens. Troisième indice. Chérie. Chérie, je suis le fruit de certains végétaux. Oui, ça, on a rarement vu des cailloux faire des fruits. Hein. C'est le fruit de certains végétaux. Des fois, on entend des trucs à la télé. Le fruit d'un végétal. Comme si les brouettes faisaient des râteaux. Un rat. Ne dites pas ça en me regardant, c'est petit, c'est laid. Un rat, vous dites? On dit un rat. Oui, un rat en photo, t'as fait une photo? Ouais, un rat, comme ça. Oui, oui, mais c'est, évidemment, ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être que Lynn va vous aider. Dernier indice. Et ne soufflez pas, ma reine. Alors, on dit que ceux qui en ont un sont fous. Ah oui. Oui, je m'appelle Nicolas Rémy. Ah oui, puis alors moi, j'en ai un beau, hein. Oui. Allez, vite, vite. Oh, oh, oh là là. Oh c'est... En plus, elle regarde le trouvé. Public. Non. Vous l'avez non, pas entendu? Non, mais je peux pas avec le casque. Un grain? Un grain? Le grain de la pellicule photo? Et ah oui, d'accord. On est fou, on a un grain. Le grain qui est le fruit de certains végétaux. C'était, celui-là, il était balèze. Hein. Le grain de raisin. Et, ah, le grain de raisin? Et voilà. Puis le deuxième indice, c'était... Les marins me redoutent. On redoute un grain, prendre un grain. Oh, j'ai pris un grain. Oh, on le refait. Non, du tout. Ah. Bon, oh non, je suis pas j'ai d'accord. Tout essayé. Merci. Vous allez repasser par le tunnel. Ouais. Merci d'avoir Merci. Été avec nous. Salut à vous. Oh, je suis déçu. Oh, elle était sympa, elle était jolie, elle était gentille. Elle avait toute la vie devant elle et tout. Et non, non. Oh, bah, attends, c'était hyper facile. Tout le monde a trouvé. Bah sauf oui. Elle. Bah ouais, mais quand même. Allez, on va s'entamer avec un coup de téléphone. Allô, allô. Oui, bonjour. 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 Quel est votre prénom? Joël. Joël. Vous faites quoi dans la vie, Joël? Je suis dessinateur, d'accord. Photographe. Qu'est-ce que les femmes ont eu le droit de faire en France pour la première fois? Quand? Le 29 avril 1945. Voter. Vous me dites? Voter. Oui, mais ça, faut me le dire après la pub. On fait comme ça, hein? D'accord. Après la pub, on se retrouve et puis vous me dites voter. D'accord. Et puis si c'est la bonne réponse, vous aurez le choix avec le rideau ou les 5000 francs. D'accord. Votez. Votez pour moi après la pub! Le Big Deal, ça change tout avec Monsieur Meuble. Nous sommes de retour sur le plateau du Big Deal. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous avons Joël au téléphone qui a eu beaucoup de mal à trouver la réponse à cette question que je réitère. Qu'est-ce que les femmes ont eu le droit de faire en France pour la première fois en 1945? C'était le 29 avril. Et Joël nous a tout simplement répondu... Voter. Et il a gagné 5000 francs. Joël, vous avez 5000 francs et la possibilité de les rejouer contre le rideau. Non, je vais prendre les tables. Oh, ça m'étonne de vous, ça. Ouais, mais bon, il y a des besoins. Je comprends. Donc, pas de rideau. Pas de rideau pour moi. Pas de rideau. Alors, rideau. C'est dommage, Joël, car derrière le rideau, je vais vous réserver ce cadeau magnifique. Un superbe appareil photo d'une valeur de 1495 francs. Bonne soirée, Joël. Au revoir. Allez, je vous propose de terminer cette émission, le cinquième deal, avec Christine et Sébastien. Christine. Bonsoir, Christine. Vous allez bien? Ça va. Je vous ai certainement filé mon rhume, hein. Non, je pense pas. Bill, Christine, Christine, Bill. Bonsoir, Bill. Bonsoir, Christine. Enchantée. Vous êtes venu avec votre fils Sébastien? Oui. C'est le seul, il y en a d'autres? Il y a deux autres garçons et deux jumelles.
Faut arrêter, hein. Maintenant, c'est bon, 5. Hein. Non, 5. C'est bon, c'est fini. Oui, là, on arrête, hein, parce qu'après, après, c'est la galère. Hein. Vous êtes venu accompagné, non, avec... Oui, une amie, ma belle-sœur, mes fils. Alors, attendez, la belle-sœur, c'est celle qui a les cheveux longs? Non, oui, c'est... Oui, oui, oui. À côté, c'est une amie. Une amie. D'accord. Le fils. Mon fils. Votre fils. Et une autre amie. Et une autre amie de votre fils. Oui. D'accord, ok. Et de vous aussi également. Oui. Mais plus avec le fils. Oui, je pense. Oui. Plus avec le fils. C'est normal, hein, quelque part. Hein. Oui. Bah oui, c'est le printemps. On a mis Sébastien sur orbite. Ah. Oui. Enfin, il avait besoin de prendre l'air, Pépère. Ah, oui, il est arrivé là, puis on s'est dit, tiens, on va lui faire un peu prendre l'air. On va vous proposer de jouer avec des ovnis. Ah, génial. Ouais, vous allez voir la gueule déjà du premier ovni. ouais, la gueule de l'ovni. Ça va, Sébastien? Ouais, ça va. Bienvenue. Merci. Faites quoi dans la vie, Sébastien? Je suis étudiant en électrotechnique. Sébastien, on va vous balancer de droite à gauche sans bouger la caméra. Et quand il va passer devant la caméra, dans le champ de la caméra, il va vous montrer un objet à la main que vous allez voir très peu de temps. Mm-hmm. Il faudra dire quel est cet objet. D'accord. Si vous trouvez quel est cet objet, vous gagnez l'objet. OK. Hein, il y a un panier à salade. Non, qu'est-ce qu'on lui fait? Oui, Bill. Bah oui, enfin, allons, Vincent. J'offrirai 10 francs par objet reconnu. Oh, oh non, Bill. Soyons raisonnables. Non, on préfère les objets, hein. Bon, alors attendez, je vais faire un effort, mais c'est exceptionnel, n'y revenez pas, 1000 francs. 1000 francs. Okay. Ouais. Il y a super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objets. Okay. 8000 francs. Combien de temps, Bill? Alors là, ça se corse. 1 minute et 30 secondes. 2 fois 45 secondes, possibilité de tout arrêter au milieu. D'accord. OK? OK. Voilà. Wow. C'est parti. Là, c'est rien encore. Hein. Ah à bon. Son pépère. Pour 1 minute 30, ça démarre lorsqu'on voit le premier objet. Quand vous voulez, Sébastien. Et top, c'est parti. Alors. Casquette. Une casquette. Vous me dites une casquette. J'ai pas de casquette, non, moi. Non, c'est pas ça. Montrez-le bien, Sébastien. Le mettez pas devant vous, mettez-le sur le côté. Sur un le boomerang, côté. Un boomerang. À bout de bras, à bout de bras. Un boomerang, non. Vous pouvez laisser tomber, passer à un autre. Ouais, un autre, un autre. Un autre, on laisse tomber. C'était quoi, Bill? Oui, il a tout laissé tomber, là. Allez, on continue, on perd du temps, là. Allez, 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 allez. 1 minute. Une peluche. Une peluche, c'est gagné, on continue. 1000 francs. Igor, on a gagné 1000 francs. Allez, baisse-le. Perds du temps, là, Sébastien. À bout de bras, sur le côté. À bout de bras sur le côté. Une casquette. Non, c'est pas une casquette. Non, c'est pas ça. 44 secondes, Vincent. Un képi, on arrête. Combien de temps il reste, Bill? Eh bien, il reste exactement 41 secondes. 41 secondes, vous avez gagné 2000 francs. Et on en a éliminé déjà un. Donc, il n'y a plus que 5 à trouver. On continue ou on arrête, on prend le rideau. Sébastien, on en parlait tous les deux. Hein. Ouais, on pourra toujours essayer après. Ah, il y a un autre rideau après, hein, si vous continuez. Faut jouer. Sinon, c'est le rideau maintenant et c'est fini. Et puis, c'est tout. OK. On continue. On fait le jeu jusqu'au bout. D'accord. Alors, on va le finir avec les boules, parce que regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Eh oui, les boules. Car vous l'avez perdu, ce magnifique voyage dans une contrée chaude et chaleureuse. C'est la Suède. La Suède connue pour les plus belles filles du monde. C'est Veinée suédoise. C'est 3 mois. C'est maison dans les forêts. Oh, c'est moi, ça. Oui, et ce séjour d'une semaine... Ah, mais tu serais bien amusé, hein. Tu serais peut-être tombé aussi. Et ça vaut d'une valeur de 12 250 francs. Allez, rebalancez la bestiole. Enfin, la soucoupe, hein. Oula. C'est allez. Parti. Non, attendez. Voilà. Lorsque vous montrez le premier objet, ça redémarre. Attention. Quand vous voulez, c'est parti. Un clap de cinéma, c'est bon. Vous voyez, tout de suite. Allez, on continue. Il perd du temps, là. Une quille, oui, c'est une quille de jonglage. On enchaîne. Un gant de baseball. Oui, un gant de baseball, on continue. C'est accordé. Il reste 20 secondes. Une pelle. Non, pas une pelle, c'est une... Une cruelle, oui. Accordé. 10 secondes. 7. Une brique. Une brique, 6. Oui. Vite, le 4, dernier. 3, 2, 1. Le panier. Non. Avec Chris, il a dit le panier avant le gong. Non. Ah si, c'était trop facile, on aurait pu dire une soucoupe avec un candidat dessus aussi. Ah ben,
D'ailleurs, oh bah non, ouais, on l'a dit aussi, ça a une soucoupe et un candidat, ça compte pour deux, ça même. Non, non, mais je suis désolé, bon. Chère Christine, je ne peux pas l'accorder. Allez, là. On n'accorde pas le panier, tant pis. Enfin, ça fait quand même 7000 francs. 7000 francs. On garde. On garde. Ouais. On garde les 7000 francs et on découvre ce qu'il y a derrière le rideau. Oh, puisque vous aimez vous balancer, ce livre était formidable pour vous. Fait. C'était La pendule de Foucault, d'Aclou Eco, qui a écrit aussi Le nom de la rose. Un oui. Très beau livre, d'une valeur de 142 francs. Name of the Rose. Tu as quelque chose à communiquer à nos publics, à nos téléspectateurs? Oui, j'ai des choses très importantes à leur dire. Voilà, alors je vais les dire maintenant pendant que tu te tapes une crise de hockey. Chers amis téléspectateurs du monde mondial des terriens, tous les finalistes du Big Deal, finalistes, ont gagné un abonnement de 1 an au magazine Télé Loisirs, que voilà. Ah, dis donc, toi, alors, oulala, tu as une patate en ce moment. Et toujours grâce au magazine Télé Loisirs, vous, oui, vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez gagner 30 000 francs. Les voilà, regardez, ils arrivent. Oh, ils sont beaux. Il vous suffit de résoudre l'énigme. Voici la 10. Ma beauté est légendaire. Non, ce n'est pas Bill qu'il faut découvrir. Attention. Hein. Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, envoyez très vite votre réponse sur bulletin télé, loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui est indiquée devant moi. Et maintenant, je vous propose que nous le retrouvions qui ça? Le beau, l'extraordinaire et le très félin Vincent Lagarde. Sébastien est avec nous et on lance le Big Deal. Sébastien, le Big Deal. Le Big Deal avec en première position Patrick qui part au Brésil pour 29 000 100 francs. Deuxième position, Philippe qui au jeu des chutes a gagné 8000 francs. Troisième position, c'est Sébastien et Christine qui ont gagné 7000 francs. Quatrième position, Sylvie que j'adore parce qu'elle adore le farce et attrape d'une valeur de 315 francs. Et malheureusement, Linda n'est pas finaliste puisqu'elle a perdu. Oh, c'était bête, hein, le grain, ça. C'était bête, ça. Je vous pose quand même la question, mais si l'occasion se présente, vous rejouerez vos farce et attrape? Ouais, on hésite, hein, réfléchissez. Bon, alors nous c'est la totale, nous c'est le voyage. Bon, on a vu la bagnole, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. On la retente? Je garde. Vous gardez votre voyage? Je crois que c'est sage. Merci. Thierry, non. Philippe, motard devant l'éternel, motard avant tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez gagné quoi? 8000 francs? 8000. Et vous avez pas vu la voiture, vous, hein? Vous l'avez pas vu? Non. Vous pouvez la voir maintenant, hein? Vous n'êtes pas obligé. 8000. Non, je garde. Vous gardez? Je garde. Merci d'être venu. Christine, Sébastien? Tu veux garder? Ouais. Tu veux la voiture? 7000 francs quand même. Eh, hey, ça fait une petite somme, hein? Ouais, mais je crois qu'on garde. Christine, on garde. Christine, elle rejouerait? Un peu. Je suis joueuse, mais. Christine rejouerait? Ouais. Non, laisse tomber. Regarde à côté. Je garde. Vous gardez vos 7000 francs? Ouais. Christine, c'est un petit peu à contre-cœur, mais c'est par générosité pour Sylvie. Merci d'avoir été avec nous. Sébastien, vous vous balancez comme ça. Merci. Bon, alors, réfléchissez bien, faites pas de bêtises. Vous avez gagné pour 45 francs de farce et attrape. Je suis joueuse, alors je vais rejouer. À ce point-là, Sylvie décide de rejouer. Ouais. Sylvie. Merci. En piste. Mais vous dites merci, mais vous allez voir qu'au fond de vous, vous allez... Maintenant, ouais, là, la pression, ça va... Oui. Voilà, vous faites en sorte de le retenir, hein, son casse-route, parce qu'en plus, il est balèze. Hein, il est grand, il est épais, il est large, il est... C'est juste une impression. Oui, mais je veux pas concrétiser, je veux pas vérifier. Lumière, Gabriel, s'il te plaît. Nous avons à vous proposer la chouette sœur, le chien de frère et la fleur de mer. On sent le jeu. À main levée, qui prendrait la sœur? La mère. Oui, la sœur, elle fait pas un rond ce soir. Le frère? La mère? Donc dans l'ordre, c'est la mère, le frère et la sœur qui est là uniquement pour faire acte de présence. Qu'auriez-vous choisi, vous? La sœur. Philippe? La mère. La mère, Christine? La sœur. La sœur? Le frère. Le frère. Ouais, déjà, vous voyez, entre vous deux, c'était le bordel. Hein? Alors, et nous? La mère, la sœur, la mère. Je l'imagine frère déjà.
De quoi la mère? Je prends la mère. La mère? Ouais. Mais vous n'êtes pas maman? Si, vous êtes maman. Oui, je suis maman. Vous êtes maman. Ah ouais, ça je comprends. T'as une petite fille? Oui. Ah ouais, moi j'aurais plutôt pris la petite fille. Bah oui, je sais, sa mère ou la fille. Maintenant, je suppose que vous en voulez d'autres? Des enfants? Peur. Ouais. Un petit garçon? Oui, oui, après un petit garçon. Oui, mais je prends pas le garçon. On peut souhaiter un frère? Non, non, non. Non. Arrêtez. C'est lui. Non, la mère. C'est dur, hein? Oui, c'est très dur. La mère? La mère. Pas le frère? Non, pas le frère. C'est peut-être la grosse erreur. Hein. Oui, mais non, je prends le... La mère? Vous avez décidé de prendre la mère, le frère est à évincer, évinçons le frère. Oh là 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 là, elle a évincé le frère, mais c'est une dramatique erreur, car derrière mon petit frère Toyoyo se cache la voiture. Eh oui, c'est perdu, adieu la voiture qui valait 63 450 francs. 63 000, hein. Ouais. 63 000 francs. Bon, maintenant, faut sauver les meubles, hein, parce que vous aviez gagné quoi? 45 balles. Farce et attrape. 315 ouais. francs. Ben, à 315 francs. Vous pouvez vous retrouver avec moi. Hein. Oui, bon, la mer. Restez sur la mer. Tant qu'on y est. La mer. Derrière ma maman, qui est très jolie et qui est très très douce, elle vous cachait un cadeau. Mais lequel? Vous serez maintenant la plus belle grâce à une parure de bijoux d'une valeur de 11 650 francs. T'as le fait! T'as le fait! On se met pour le bijou, ça va? Ça va! La petite caisse, elle était là! Une très jolie familiale, le plus petit monospace, Sylvie. J'ai été ravi de vous rencontrer, on a passé un très bon moment. Merci d'avoir fait le déplacement. Encore bravo, encore merci. Merci, merci d'avoir été aussi spontané. Ici, la bijou. Salut à vous. Et bonne fin d'études, hein? Merci. Oui, c'est pour moi? Qu'est-ce qui m'offre ça? Oh, c'est gentil, ça. Merci beaucoup. J'y suis sensible. Mais non, mais toi, tu peux pas aller tirer les prendre. Moi, je vous souhaite bon appétit, bonne soirée. Je vous retrouve demain ou dans une autre vie, je sais pas.